Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, The Devil Daughter, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est fermé. Des sacs pleins de nourriture. L'année passée, trois orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. Grâce à Lord... Des provisions pour les indigents de Whitechapel. Des provisions... Lord Marsh aide même les hôpitaux. C'est fermé. C'est fermé à double tour. Y a-t-il autre chose qui vous intéresse? Lord Marsh a une conviction: aider les nécessiteux. Lord Marsh semble dépenser une grande... Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. On va aller voir les archives. Mes archives, je peux toujours les consulter si nécessaire. Holmes, nous devons aider le pauvre Tom.
ma table d'analyse. Elle me sert... J'avais pas vu que je pense qu'il y avait un nouveau territoire que ça avait rajouté. Aux lois sur le travail des enfants. Les petits vont à l'école au lieu d'aller à la mine. Monsieur Holmes, vous avez des nouvelles de mon père ? Tom, pas si vite. Dis-moi, mon garçon, as-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation ? Un programme d'éducation ? Non, monsieur. Il a parlé que d'un travail spécial. D'où vient cette boîte, Tom ? Oh, je viens de la trouver, monsieur Holmes. Elle était bien cachée. Je me demande bien pourquoi. Beau travail. Ça pourrait nous être très utile. Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme. Un écouvillon pour nettoyer les fusils. Tom, est-ce que ton père a un fusil ? Un fusil ? Non, il me l'aurait montré. Et moi, je suis sûr que non. Je dois trouver ce fusil.
Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme. Tom, est-ce que ton père dispose d'un autre logement ? Non. Enfin, je ne crois pas. J'ai besoin de Toby. Je vais lui faire sentir l'huile et on retrouvera ce fusil. Toby. Allons, Toby. Il est temps de gagner ta pitance. Vous êtes jappé. Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Son état de santé m'inquiète. Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Ah ben ouais. Monsieur Holmes, peux vous aider ? Non. Je suis curieux, Non, on peut pas garder dedans. J'ai mieux à faire que de... Cherche, Toby, cherche. À l'extérieur, derrière la maison. Ce n'est qu'un abri de jardin. Continuons.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, déjà payé. Qui soit digne d'intérêt. Cette cave sert d'entrepôt. Il n'y a que de la camelote. Bandy Landon, l'homme sans pénis. Bon, ça va. Une photo de Tom. Essayons d'entrer. Qu'est-ce que tu fais de ton week-end? Ok, ils ont changé le mécanisme des crochets. Pas trop compris ce que j'ai fait, mais... Travail, j'ai pas la chance d'avoir des week-ends le week-end. Ben tes week-ends sont sur la semaine, c'est-tu? Arrête de te lamenter! Niaise. Comment ça va? Oh! Mon cher Tom, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Je suis navré que les choses soient arrivées là, mais sache que je n'avais pas le choix. Tu es un garçon brillant, et je suis très fier de toi. J'espère qu'un jour, tu comprendras et que tu pourras me pardonner. Mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Garde espoir, tâche d'être heureux, car un jour, tu deviendras un homme, et plus tôt que tu ne le penses. Tu ne seras pas seul, ta maman et moi, nous veillons sur toi depuis des cieux, ton père qui t'aime. Non, hey, je fais dingue des jokes, là. Zéro. Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. Sheldon, moi, je vois... Ok. D'après cet avis, John Strawbridge a disparu. Comparons les noms de la liste de marche avec ceux de la liste de Hurst. Réginald, William, Patrick, David, Papillon. Il y a fuck all ici. Faut checker les autres. Thomas, Harold, Henry, William, John. Shit, je n'ai pas assez une. William. Thomas.
Patrick. Reginald. Ok, mais... Ok, faut que je clique ces deux. Ce nom apparaît dans les deux documents. Pas fort, Caribou. Et voilà. Tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une croix et d'une date dans les papiers de George Hurst. Des coupures de presse sur les lords et le programme d'éducation. Que font-elles ici? Quand j'aurai fini ça, je vais te parler d'un nouveau projet. Lord March ainsi que ses amis Lord Arrington et Lord Collins sont les fondateurs du programme spécial éducation. On est dans les pots, on va se bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux. Ces trois gentlemen, un fier service à notre société, en proie à bien des difficultés. Cher George, comme je te comprends, et quelle tristesse. Tout comme toi, je ne trouve pas le moindre travail, même pour quelques heures, mes enfants n'ont rien à manger. Quand j'essaie de trouver quelque chose, les patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirmes. Nos mérites militaires ne signifient rien. Notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous abandonne ensuite. Personne ne s'en soucie. Ton ami Jack. Jack Strap. Au nom de Sa Majesté la Reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni, des Grande-Bretagne et d'Irlande, je sous-signé Frederick Russell Burnham, major de l'armée britannique, déclare la nation fait état de sa gratitude envers George Hurst, honorable soldat du Royaume-Uni, du Grande-Bretagne et d'Irlande, pour sa veillance au cours de son service militaire. L'armée britannique lui décerne. Par le présent, la médaille de conduite distinguée le démobilise en raison des blessures subies en combat. Major Frederick Russell Burnham. Cette boîte devait être pleine de cartouches. Et là, elle ne l'est pas. Il y avait quelque chose sur ce support. Un gun. Il y avait un fusil ici. George Hurst l'a emporté. Bon.
Le travail spécial de George Hurst est sans doute de nature violente puisqu'il a emporté son fusil. Fouiller la cave. Quand il n'y a pas d'exclamation, ça veut dire qu'il faut qu'il revienne. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. J'ai pas fini, est-ce-t-il? Il y a d'autres choses, j'ai pas... Une carte de la forêt des Pings. J'ai pas eu le temps, ouais, c'était exactement. Bon. George savait qu'il n'avait aucune chance de revenir à son travail spécial. C'est pourquoi il a écrit une lettre d'adieu à Tom. George a écrit une lettre d'adieu, mais il ne l'a pas donnée à Tom. Il est peut-être encore en vie. Toujours là, mon Bandy Landon? Il n'existe aucun lien entre le travail spécial dont a porté George et le programme spécial. Il existe un lien entre le travail spécial et George Hurst, le programme spécial d'éducation de l'homme. Ouais, c'est sûr. Je suis en train de penser à essayer de me donner un nouveau boost à... C'est pas fini, ça? À ma chaîne. J'ai peut-être trouvé une façon. Je t'ai-tu dit que j'avais vendu ma maison? Je l'ai payé 79, puis je l'ai vendu 180. S'introduire chez Lord March et trouver des informations sur le programme spécial d'éducation. Ouais, j'avoue. Merci. Donc... Je vais investir un peu sur ma chaîne. Ça, je vais faire. Je vais changer. Je vais me faire un nouveau logo, des nouveaux émoticônes, des nouvelles pages de transition au lieu d'avoir ça. Je vais investir là-dedans. Puis je vais essayer de faire un buzz autour de moi. Oh, attends une minute. Rien qui soit digne d'intérêt. Je vais essayer de faire un buzz autour de ma chaîne. Fait. J'ai envie de faire un gros concours. J'aimerais mettre. Comme ça. Voilà. Je suis pris. Allô, chien. Brave Toby. Pourquoi c'est jaune, ça? Ah, c'est là que je suis. Okay. Fait, j'aimerais investir comme 5000 en prix. C'est sûr, aussi, je vais mettre. Je vais m'investir dans d'autres choses aussi. Là, peut-être m'acheter des... J'ai vu que pour 300 pièces, tu pouvais avoir des flammes. Je pourrais mettre ça derrière moi, des flammes. Pas des vraies flammes, mais ça sort de toutes sortes de couleurs. Chaque fois que je fais parfois plus d'animation dans mon stream, j'essaierai de venir comme avant aussi. C'est sûr, un petit peu plus motivé, mettre mes problèmes personnels à côté. Mais faire un gros prix, là. Exemple, mettre une Xbox, avoir le choix entre une Xbox série X ou une PlayStation 5 à gagner, plus un prix peut-être 3000$, quelque chose de même. Là. Fait... Mais la seule chose qui aurait... Oh, t'as une minute, je t'explique après. Holmes, que faites-vous là? Que manigancez-vous? Une mission de mon cru. Vous allez jouer le rôle du médecin consciencieux pendant que moi, je fouille la maison de marche. C'est le seul moyen d'aider le petit homme. Donc. Les prix seront à gagner
uniquement si que je deviens partenaire. Qui veut dire que partenaire, c'est une moyenne de 75 personnes. Si j'ai une moyenne de 75 personnes, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont là, on mettrait des manières. Exemple. Il pourrait acheter des. Chaque fois qu'il y a un sub, t'as un an qui rentre dans le concours. Chaque fois que t'achètes des subs ou des. La fenêtre est bien fermée. Quand tu te follow, quand tu. Mais peut-être pas follow, parce que ce serait une création de faux camp. Mais chaque fois que tu passes du temps sur la chaîne, fait là, tu reçois des coins, puis à chaque fois que tu as des coins, là, tu peux acheter des billets, des choses comme ça, pour essayer de maximiser tes chances. Donc là, ça pourrait. C'est sûr, il faut que je calcule ça comme il faut, puis je trouve une façon de tout comptabiliser ça comme du monde. Il y aurait peut-être une manière de créer un buzz aussi. J'ajouterais une publicité d'une semaine ou deux aussi sur. C'est Denis Lévesque, oui. Denis Talbot, Denis Lévesque. Des affaires de même, tu comprends comment ça fonctionne. Fait 5000 points d'étiquette ou 10 000 points d'étiquette, des affaires de même. La fenêtre est bien fermée. Puis le seul raison. Oh! La seule manière que le prix a tiré, c'est que si je deviens partenaire, la journée que je deviens partenaire, bang, on fait tirer le prix. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ce. Comment je fais pour l'enlever, le petit crochet, ben? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place pour ce. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de place. Pas PSDB. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ce. Il n'y a pas de place. Ok, mais comment je fais? Pas PSDB. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de place. Ok, mais comment je fais pour switcher? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Ça que c'était. Que puis-je faire pour vous? Je viens voir Lord Marsh. Pourquoi? Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Oh, quel maladroit! Pourriez-vous éviter Je de... dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services. Allons, Fisher. Laissez donc entrer le docteur Watson. Beau travail, Watson. Beau travail! Je peux me cacher ici.
Cher Lord Collins, il me semble évident que nous pourrions apprendre bien des choses au sujet de la gestion de l'Empire auprès de ceux que nous piétinons. Ces gens que nous laissons dans le besoin et la faim dans le recoin sombre de nos propres villes, ici, ou dans notre colonie. À ce jour, et selon mes estimations, le programme spécial d'éducation a sauvé plus de 200 individus de la déchéance. Il leur a permis d'atteindre une position leur permettant de soutenir les bases essentielles de notre empire prospère. Ceci a pu se produire en grande partie grâce à la sagesse et à la prévoyance de Lord March, un politicien des plus brillants et progressiste. Il a entrepris un travail d'envergure dans ce domaine, faisant fi des critiques et des réticences de ses arrogants collègues tellement ancrés dans leur habitude. Cher Lord March, grâce au programme spécial d'éducation de vie a complètement changé. Je ne savais pas comment vous remercier, alors j'ai cueilli cette fleur pour vous. Merci. Lord March est un grand chasseur. Lord March et ses amis sont des chasseurs habiles et expérimentés. George Hearst a assemblé des informations sur le pauvre et les lords impliquant dans le programme spécial d'éducation. George Hearst était intéressé par la programmation d'éducation selon le plus. Il n'existe aucun lien entre le travail spécial. Lord March est un grand chasseur. Voyons. On va, je peux l'ouvrir. Vous étiez donc si impatient de me revoir. En effet, j'aimerais vous examiner. Sait-on jamais, deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu. Eh bien, vu sous cet angle, j'accepte. Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau? Je vous en prie, docteur. Restez. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous comptez casser autre chose? Je ferai de mon mieux. Carlis. Monsieur Holmes, que faites-vous là? Vous comptez casser autre chose? Je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que t'en penses de cette solution-là, Bandy Landon, parce que c'est créer un autre... Tournez la molette et repérez la zone qui sonne claire pour trouver la bonne combinaison.
Bon, je peux passer au prochain après. Ok, je comprends. Gagner 60... Avoir la chance de gagner 3500$ plus un deuxième prix qui est un Xbox, me semble, ça... Ça peut attirer des views, selon moi. Avec une constance, mais je sais pas. J'admire tellement tous ces pauvres. Ils me sentent tellement vénérables. Ils me sentent une véritable bouffée d'air frais. Communiquer avec eux, un estime à plaisir et ils sont tellement brillants. Pas comme nous. Peut-être aurait-il mieux valu qu'ils soient lords ou nous retourier. Ou peut-être ça va avoir l'effet contraire. Hein. Le 7 novembre. Le rendez-vous est donc pour aujourd'hui. Ça peut pas être si contraire que ça. Non, on peut pas passer de plus. On peut pas aller en dessous de zéro. Cette fois, le 7 novembre, nous nous retrouvons à Guston Hawk. Je joins une carte de cette lettre afin que nous trouvions l'emploi sans mal. Mais oublie pas que... Au niveau des petits prix, ouais, il pourrait avoir des petits prix aussi. Mais l'affaire est, c'est que le gros prix va rien qu'être tiré si on a le partenariat. Donc, il faut que tout le monde revienne, sinon il n'y aurait pas d'affaire. Puis si le monde ne revient pas, puis il n'y a pas de constance, il n'y aurait jamais de partenariat. Pas de partenariat, il n'y aurait jamais le prix. Ben, pas de partenariat, pas de prix. C'est au même. George était intéressé par le programme spécial d'éducation, mais rien de plus. George Hurst a rassemblé des informations sur les pauvres et les lords impliqués dans le programme spécial d'éducation. Je crains que ce soit un peu plus... Que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe, hein, Lord Marsh. Et où est votre ami, Dr. Watson? Qu'est-ce que tu sens? Probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un. Dr. Watson, que faites-vous? Je regardais pas, Asti. Pardonnez-moi, my lord, mais je dois vous rappeler votre rendez-vous. Il est déjà l'heure. Oh, pardon, Dr. Watson, mais nous sommes attendus. Pouvons-nous vous déposer quelque part? Vous sortez? Je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état. Merci de votre sollicitude, Dr. Watson. Mais la misère n'attend pas, je me dois de continuer. Prenez soin de vous, Lord Marsh. Dr. Fisher, je vous enverrai mon diagnostic. Merci à vous, docteur. Au revoir.
D'accord. Je reviens dans 30 secondes. C'est ça chez Watson, je pense. Watson, que faites-vous à ma table? Je veux vérifier quelque chose à propos de Lord Marsh. Non, plutôt c'est Watson qui a la table. J'ai l'impression que Lord Marsh cache quelque chose au sujet de sa maladie. Sa toux, ainsi que sa fièvre et les puissances antalgiques qu'il prend, me font penser qu'il est gravement atteint. La roue du vieux. Quoi ça? Étudions ceci de plus près. Ben ça, pour les petits prix, on peut acheter des cartes. Là. Des gouttes de sang dans les expectorations. Je devrais prendre un échantillon pour l'examiner au microscope. Hein. Colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques. J'ai besoin d'une pipette. Bien. Étudions l'échantillon coloré sous le microscope. Mycobactéries. Lord Marsh est bel et bien gravement malade. Holmes, c'est très sérieux. Comme je le craignais,
Lord Marsh est atteint de tuberculose. Ah bon? Vraiment? Oui, vraiment. Holmes, il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium. Et pourtant, Lord Marsh et le docteur Fisher font tout pour le cacher. Intéressant. Mais pourquoi? C'est toute la question, Watson. Oh, mais... Mon Dieu. Je comprends, ouais. Vous pensez que Lord Marsh a contracté la tuberculose en aidant les pauvres? C'est terrible. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Holmes, je vous demande d'être très prudent en mon absence. Tu finis quand? Cette maladie est extrêmement contagieuse. Développe par rapport, ça donne rarement que je finis quand... C'est... J'écoutais plus. Tu veux dire tu finis tard? Merci, Miss Alice. À plus tard. À bientôt, Kathleen. Où étais-tu? Notre voisine m'a prêté un livre. Elle est si gentille. Je crois qu'elle vous aime bien. Ça, j'en doute. Alors, votre enquête, ouais, comment comprends. Ça se passe? Ça va. Dracula. Oui. Au pensionnat, je n'ai pas le droit de le lire, vous savez. Bien, bien. Je pose affaire par lui. J'ai hâte de raconter ça à mes amis. C'est la chambre de Kate. C'est privé. Oh. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Un Wolf Jack est une créature mi-loup mi-lièvre. C'était le surnom de ce que donnaient les hommes du 1er régiment d'éclaireurs. Ce régime devint par la suite le 1er régiment officiel du tireur d'élite de l'armée britannique. Et voilà. Ce n'est pas ce qu'il... Ce n'est pas ce qu'il... Ce n'est... Ce n'est... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Une carte. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est... Ce n'est... Ce n'est, ce n'est pas ce qu'il me faut. Gaston Oak. Ah non, Gaston Oak, c'est pas là, faut que je vérifie ça, c'est ça. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Une carte de Londres et de ses alentours. Ok, non. Ça peut servir. Gaston Oak. Ce n'est pas ce qu'il... Ce n'est pas ce... Ce n'est pas... Ce n'est... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut.
Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce... Ce n'est... Ce n'est... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est... Ce n'est... Ce n'est pas ce... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Oh. Gruston Oak. Ben oui, j'aurais dû penser, Oak, c'est une sorte d'arbre. Le chêne de Gruston est un arbre étrange et mystérieux qui pousse dans la forêt d'épines. L'origine de son nom est inconnue, mais de nombreux légendes et fables informant sur certains disent que pendant des siècles, les sorcières ont effectué leur cérémonie près de la carte et qu'en raison de ce rituel, quiconque touche le bruit étrange de Gruston Oak sera maudit à jamais. Et voilà. Gruston's Oak se trouve dans la forêt d'épines. C'est l'endroit indiqué sur la carte de George Hurst. On va aller voir. Je trouve que ce jeu-là, le téléchargement de chaque destination est plus lent. J'espère que vous trouverez mon père. Non, c'est pas que je m'attendais. Oh, ok, non. Pas question de déranger Lord Marsh sans raison. Les réserves s'appellent. Ah, voilà pourquoi tu es venu. Peut-être une analyse que j'ai... Ah, j'ai pas fini les analyses. George Hurst était intéressé par le programme spécial d'éducation, mais rien de plus. George Hurst a rassemblé des informations sur les pauvres et les lois appliquant dans le programme spécial d'éducation. Okay. Il n'y a aucun lien entre le travail spécial dans le passé de George Hurst et... Aha! C'est dans les analyses. George Hurst est au courant de certaines disparitions dans le cadre du programme spécial d'éducation. George Hurst savait qu'il n'avait aucune chance de revenir de son travail spécial. Pas à bonne place. Ça m'aide pas, ça. Là. Il y a peut-être une nouvelle endroit que j'ai pas vu? Non? Ok, faut que probablement que je retourne à ma place puis je regarde sur la carte. Je pense que je comprends. C'est là que je sais qu'il y a un endroit en particulier, faut que je regarde sur ma carte pour savoir c'est où ça.
Et voilà. Essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte manuscrite. Hey, j'arrive pas à situer. J'arrive pas à trouver ce morceau-là de la map. Tabarnak. Et je le vois pas en tout, esti.
Crime, c'est plus dur que le 1. Qu'est-ce que je vois pour... Et voyons. Ah. Je l'ai. Et voilà. Bon sang. Il faut que je me dépêche si je veux découvrir ce qui se trame dans la forêt. Deux jours plus tard. Papa? Ce garçon, Wiggins, il vient souvent ici? Il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes. Pourquoi? J'aimerais bien lui parler. Lui parler? Oh, papa! À l'école, il n'y a que des filles. Et elles ont des conversations si ennuyeuses. Je suis sûre que Wiggins a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres. Oh, ce serait si romantique. Ouais. Kathleen. Tu sais que Wiggins n'a pas eu une vie facile. Je sais, c'est bien ce qui le rend intéressant. Oh, Kate. Bon, très bien, je vous laisse. Lord March et Amy sont allés à un rendez-vous dans la forêt indiquée sur la carte. C'est en bas. Allez, on finit cette mission. Peut-être pas. Elle était tirée. Voyons combien de temps vous survivrez.
Chris, il court pas, tabarnak. Voyons combien de temps vous survivrez. Il était pauvre. Cet homme a été tué récemment. Le corps est encore chaud. Allez les chiens, trouvez-le! Trouvez-le!
En calice. Alors, je vérifie parce que j'utilise pas trop Discord là. Sur Twitter, ça aurait été plus facile. Je pense que mon Discord est encore ouvert, je vérifierai. Calice de tabarnak. Et en calice, il me semble que c'était là. Shit. Non, c'était pas là. Je suis trompé. Bouge pas. C'est le corps de Lord Arrington. En pleine terre. Il est mort d'une balle en plein front. Mon état se dégrade. Il faut que je pense ma blessure.
Ceci m'aidera à panser ma blessure. Le Quatermain Club. C'est sans doute la cabane de Lord Marsh. Quelqu'un vient. Il faut mieux me cacher. Respirez, Lord Marsh. C'est bientôt fini. Qui êtes-vous ? George Hurst, premier régiment d'éclaireurs. Je suis venu rendre justice. Un ancien soldat. Quelle ironie. Et vous n'avez pas été admis au programme spécial d'éducation. C'est exact. Un ancien soldat blessé ne vous servait à rien. Mais il peut encore être dangereux. Nous avons beaucoup chassé dans ces bois. Je n'aurais jamais cru devenir... Qu'est-ce que m'a envoyé au juste ? J'ai vécu une belle vie. Je me suis affranchi des limites fixées par les autres. Je n'implorerai pas votre pitié, misérable vermin. Préparez-vous pour le dernier voyage. George chasse les pauvres, chasse les pauvres et les lords dans la forêt. Lord Marsh et ses amis chassent. Hurst est un psychopathe. George Hurst est un psychopathe qui chasse les pauvres et les lords impliqué dans le programme spécial d'éducation. Envoyez George... Condamnez George Hurt.
George, baissez ce fusil, pour l'amour de Tom. Holmes, tiens, tiens. Un adversaire presque valable. Tom, mon Tom, si vous avez touché à un cheveu de mon garçon, vous allez me le payer. Tom est en sécurité, à Londres, avec un ami de confiance. À présent, finissons-en. Oui, finissons-en. George Hurst, vous avez tué suffisamment de monde. Cette folie doit cesser. Lâchez ce fusil. Je suis peut-être blessé, mais je ne vous raterai pas. Si je vous avais eu dans mon viseur, je ne me serais pas contenté de vous blesser. Oh. Le meilleur détective d'Angleterre. Détective, regardez. Voilà comment vous êtes tombé malade, Lord Marsh. C'est en décapitant vos victimes, atteintes de tuberculose, que vous avez contracté la maladie. Ce n'est que justice. J'avais tort. Le meilleur détective d'Angleterre. Assez. Vous allez mourir ici, Lord Marsh, et lentement. Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington, et je l'espère, Lord Collins et le docteur Fisher. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse. George a seulement voulu faire justice lui-même. Il était le seul à s'inquiéter de la disparition des pauvres. Il a ordonné abandonner son fils pour punir les coupables, conscient que personne d'autre ne s'en chargerait. Ça, je me suis quand même trempé, par exemple. Ça, c'est le premier chapitre. D'habitude, il y a 5-6 chapitres. Bien d'accord, comme ça. Ils sont gratuits, ce jeu-là, sur Xbox. Il y en a deux. Lui, c'est le deuxième. C'est le troisième jeu que je fais, moi. Oui. Belle esquive, Watson. Holmes, vous jouez aux boules à l'intérieur? Non, pas aux boules, Watson. Aux boules un grain. Vous êtes sérieux? Avec votre blessure? Non, Madame Hudson va vous tuer. Victoire par KO. Il est temps de partir. Voulez-vous m'accompagner? Vous êtes incorrigible. Et où allons-nous, Holmes? Vous apprendrez que je participe à la finale du tournoi annuel organisé par le club de Boulingrin de l'Institut archéologique de Londres. C'est une invitation officielle. Le temps de me changer et nous y allons. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, The Devil Daughter. Live. La chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!